Salut, c'est MM Simulator. On se retrouve sur un petit jeu sympathique, un peu gaga, on va dire quand même, mais que j'ai trouvé assez sympathique. Je sais que beaucoup, regardant les grandes chaînes, je vais pas vous dire le nom, mais si vous regardez souvent des chaînes assez connues quand même, vous allez dire que je fais un peu, on va dire, du plagiat. Moi, je vais vous dire oui et non. En fait, c'est juste que j'ai apprécié le jeu, donc je voulais vous faire une petite vidéo découverte de ce jeu, comme je vous ai fait sur Scrap Mécanique. Donc c'est une petite découverte très sympathique. Donc c'est Slime Rancher. J'ai peut-être décalé un petit peu le micro, voilà. Là on est pas mal. Donc Slime Rancher, c'est un jeu très sympathique que j'ai bien aimé, que j'aime bien en fait. Hein, donc hop, on va démarrer vite. C'est que c'est... Il y a plein de roses, mais c'est un bon jeu quand même. Donc on doit élever plus ou moins des slimes. En gros, des petites boules de nougat ou je sais pas trop comment on peut dire ça. Donc voilà, après on a plusieurs variétés de slimes. Donc on a des slimes chats, on a des slimes... peu importe, en fait on a beaucoup de variétés de slimes, on va dire. Différentes. Donc on a aussi des poules, donc de quoi les nourrir. Ils se nourrissent de poules, de comment ça s'appelle, de végétaux, en gros de comment ça s'appelle, de légumes, de fruits, de beaucoup de choses comme ça. Et franchement voilà, c'est plutôt sympathique. Donc il y a des, il y en a qui font du mal comme vous voyez parce qu'on a une petite barre de vie. Il y en a qui font pas de mal, mais bon elles sont un peu. Oh. Toi, t'es sorti, toi. Donc, c'est un jeu qui joue aussi à la manette. Moi, je joue au clavier souris, hein, normal. Donc, on va aller se faire un petit tour dans les champs des slimes. Des slimes, pas des slimes. C'est pas la même chose. Donc, on a des slimes différentes et variées qui font le gros plaisir. Et le truc, c'est que je crois que si... en gros, il y a beaucoup de, il y a fait certaines combinaisons de slime, on peut arriver à faire une slime vraiment méchante, on va dire. Et en gros, c'est pas très bon pour nous, quoi. Mais bon. Donc voilà, on va arriver ici. Donc là, il y a pas mal de trucs. Ah, elles, par contre, celles avec les pics, elles font mal. Mais je sais pas, la musique me paraît pas terrible. Ben, comment dire? Oh, il y a un coq, c'est parfait. Je veux le coq, je veux le coq, je veux le coq. Il est où le coq? Parce que, en gros, je voudrais. Aïe, aïe, aïe. Putain, je lag. J'ai eu un gros lag là. Voilà, c'est vraiment ce que je cherchais, le coq. Pour pouvoir. Faire de l'élevage de coq, donc on a quand même une quantité limitée de tout en fait. Oh oh, merde. Donc ça c'est des slimes qui sont pas gentils en fait. Je sais pas comment on appelle ça, mais c'est des slimes pas gentils du tout. Donc comme quand il y a trop, il y en a une variété de slimes qui mange d'autres slimes, c'est pas bon en fait. Et donc, voilà. En bref, c'est pas bon du tout. Et donc, comment vous dire ça? En fait, j'ai beaucoup donc. Et d'après ce que j'ai vu, parce qu'en gros, j'ai vu quelques vidéos. En fait, moi, c'est comme ça que je me renseigne, on va dire, sur les jeux. Je regarde des vidéos. Et après, si elles me paraissent sympas, bah, je les fais en vidéo moi aussi. Mais voilà, en gros, c'est vrai que. Non, plutôt par. Je sais que je l'ai mis l'enclos pour les poupoules. Donc il faut un coq, une poule, deux poules, trois poules et un poussin. On sait jamais, il va grandir de toute façon. Parce que en gros, vous voyez là déjà, ça fait pas longtemps, hein, j'ai juste joué un jour ou deux dans le jeu. Enfin, pas en vrai, hein, dans le jeu. Seulement. Par contre j'ai l'impression quand même que, en gros comme vous voyez là, eux ils ont, on voit qu'ils ont vraiment la dalle et tout. Et que si je leur donne deux poulets,
ils vont être contents. Et ils vont me donner des slimes, quoi, des roches comme les roses que j'avais tout à l'heure pour les manger. Voilà, hop. Et après, ils me donnent des... je sais comment on appelle ça. Des plortes, voilà. En gros, c'est... comment dire... C'est des lingots, quoi, on va dire. Qui sert aussi... Ouais, en gros, c'est des lingots. C'est ce qui sert à gagner de l'argent dans ce jeu, en fait. Voilà. J'avais pas des petits rocs? Non. Bah, visiblement, non. J'ai 330... J'ai pas fait de plantation non plus. Garden, non, j'ai pas assez pour faire des... Ah merde, j'ai oublié de... Excusez-moi, j'avais... Parce qu'en gros, j'oublie souvent de mettre... d'activer mon clavier. Parce qu'en gros, sur mon clavier, je peux mettre un... Comment dire? Un espèce de chrono. Et j'oublie souvent de le mettre, donc... J'oublie souvent de le mettre. Et c'est un tort, parce que franchement j'ai un clavier, j'ai un kit, merde, con, merde, je m'en fous de toi. Donc voilà, j'ai un clavier qui est vraiment très très bien, qui fait beaucoup de choses. Et je m'en sers pas souvent au maximum de ses capacités. Parce que je sais que celui-là il rapporte pas mal d'argent en fait. Donc voilà. Oh. J'ai eu un truc là. Non, non, pas lui. Pourquoi j'ai sorti celui-là? En gros, voilà, hop, je vais pas rester super longtemps en fait dans le jeu parce que voilà, en gros, faut vraiment comprendre le jeu. Oui, je l'ai cassé où, machin. Donc c'est vrai que je parle pas beaucoup parce que je réfléchis un petit peu, mais bon. Voilà, en gros, il n'y a pas grand chose de compliqué. Hein. Ce jeu est vraiment très très sympathique sur plein de points de vue. En fait, voilà, c'est un petit truc sympa. Si vous avez des enfants, même si vous n'en avez pas, parce que c'est aussi bien pour les enfants que pour les adultes, mais... Franchement, voilà, c'est sympa comme truc pour les enfants et tout. Donc voilà, en bref, moi franchement, je dis que ça va autant pour l'un que pour l'autre. Donc je veux pas faire une vidéo trop longue. Voilà, hop. Là, comme vous voyez, le jeu est quand même très fluide. Mais c'est même pas fluide, hein. C'est plus que fluide encore. Donc, normalement, voilà. Comme vous voyez, on a un deuxième poussin. Tout à l'heure, on en avait qu'un. Donc, en gros, là, la basse-cour, elle va se reproduire et tout. Je peux pas mettre un autre... En gros, on peut racheter des nouveaux corals. Hop. Pour les slime rock. Ouais. Bon. En gros, on peut utiliser la molette de la souris pour faire... Putain, mais... C'est pas possible. Donc voilà, comme vous voyez, il y en a qui passent au-dessus. Donc, 2. Voilà.
Et là, je vais mettre mon slabiroc. Mange quoi déjà lui? Des végétaux, donc carottes. Parce que lui, en gros, c'est comment dire, la rentabilité du. En gros, c'est l'un de ceux qui valent le plus cher au début. Mais bon. Voilà. Donc, je vais aller me vendre ça vite fait. Hop. Tac, tac. Hop. Et comme vous voyez, celui-là, il a apporté pas mal. Voilà. Après, le reste, je vais le donner à eux. Parce que eux, là, ils mangent pas mal de tout ça. Et eux, par contre, c'est pas les plus rentables, hein, visiblement. Bien, comme on le voit beaucoup, c'est pas les plus rentables. Donc voilà, c'est vrai que je parle pas beaucoup là. Je suis un peu concentré à essayer de savoir ce qu'il faut que je fasse et tout. Donc ah, j'ai plus de machin. Donc voilà, hop. Si là aussi vous voulez des d'autres vidéos là-dessus, je peux les faire. Donc vu que j'ai le jeu et tout. Donc comme vous voulez. Après en fait on voit quand ils sont affamés cette bande. Ouais, c'est bizarre, j'en ai que 18, mais par contre j'en ai 10, j'ai eu plus de 20. Ça se peut, il y a des trucs qui peuvent. De toute façon ils ont tous des préférences, hein. Comment dire, chaque slime, voilà. Chaque slime a sa préférence. En gros, il y en a qui préfèrent certains trucs et d'autres, en fait. Voilà, complètement. C'est totalement ça. Donc voilà. Donc je voulais mettre une plantation à côté des. Là, je voulais mettre un garden. Donc un garden, c'est fait comme c'est logique. C'est fait pour. Tac, voilà. Allez, dans 17 minutes, on aura des pogo fruits. Donc, en gros, des fruits machin. Et après, je pourrais planter d'autres végétaux, d'autres machins et tout. Donc, ce truc, c'est qu'il faudrait pas non plus que je. En gros, genre, je démonte le poulailler, quoi. En bref, hein. Donc, je vide le poulailler, quoi. C'est quoi déjà? Est-ce que tu veux? Non, t'as pas faim? Tant pis, je te les laisse là. Tac, si tu les veux. Hop, donc voilà, là on a. On commence à avoir des missions maintenant. Au bout d'un certain temps, on commence à avoir des missions. Donc je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. N'hésitez franchement pas à me dire si vous voulez voir d'autres vidéos sur Slime Rancher. Donc voilà, moi franchement ça me fait vachement plaisir en fait de faire ce jeu. Donc voilà. Parce que j'adore Slime Rancher, c'est déjà c'est un bon jeu, très bon jeu. Voilà. Et donc voilà, c'est vraiment un très très bon jeu que franchement je pourrais vous dire d'acheter. Vous avez dit très très bien, c'est un très très bon jeu. C'est vraiment un très très bon jeu. Je sais pas combien il coûte, mais. Mais en gros, je vais prendre les. Tac, tac. Tac. Ah, il y a ça aussi.
Donc 2. Donc voilà, donc franchement c'est pas un jeu très complexe. Il est tout simple à manier et tout. Donc ouais, bref. Je sais pas quoi vous dire d'autre sur le jeu, hein. Je pense qu'on va... Je vais me rentrer hein, dans la petite cabane là-bas, au fond du jardin. Et puis je vais vous laisser là-dessus. Hein. Et puis comme ça on pourra se dire à la prochaine. Hein. Sur un autre jeu, par contre... Ah oh, hein, mais j'ai pas de place pour les carottes. Tant pis. Putain, il y a plein de carottes, mais j'ai pas de place. Parce que je vais vous dire... voilà, en gros, en ce moment, je vais faire pas mal de jeux de survie. On va dire, puis ça, c'est un peu jeu de survie-gestion. Tu sais, en ce moment, je suis pas mal sur les jeux de survie, parce que j'aime bien ça. Et donc, voilà. Donc j'espère que ça vous plaira et tout. Parce que franchement moi je me donne vraiment à fond dans là-dedans sur YouTube et tout. Donc j'espère vraiment 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 que ça vous plaira. Parce que vraiment je me donne vraiment à mon maximum et tout. Donc voilà. Oh yeah. Donc voilà. Donc on va se quitter sur... Ouais, pourquoi j'en... Ah mais j'en ai pris deux. Je sais pas. Sur ce Slime Rancher, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous voulez de nouvelles vidéos sur Slime Rancher. Donc voilà. Donc j'espère franchement que cette vidéo vous aura plu. Aïe, putain. Et comme vous voyez, on prend parfois des... dégâts. Où est-ce qu'il est ce Kuno? Eh, hey, cogno, où es-tu? Putain, il en manque un et je l'ai pas trop... Il est où? Je sais pas. Je sais pas du tout. Bon. Ok, j'en ai perdu un. Je crois qu'il est bugué quelque part. Hein. Non? Non, je sais pas. Ah bah si, je l'ai aspiré, ok. Ok, ok. Ok, ok. Là, on doit vraiment prendre pour un con. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. C'était MM Simulator. Je vous dis à plus. Ciao!